Ok, bon bah bonjour à tous, hein, je viens toujours de revenir de la douche pour filmer cette petite vidéo. Voilà, donc c'est la douche du mois, hein, c'est la première fois que je me douche dans ce mois. On est le 16 février, du coup je vais plus me doucher jusqu'au 30 février à peu près. Une douche par mois, voilà, je trouve ça pas mal, je trouve ça plutôt hygiénique. Bon, je crois que c'est bon là, il y a à peu près 60% des gens qui ont balancé leur casque. On peut remettre le son comme il faut. Hop là, voilà, re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait 40 000 ans que je voulais faire cette blague, voilà, au moins aujourd'hui elle est faite. Bon, ici Yomes, ici Nomaskil, ici Nordin, ici ouais, moi frère, tu veux que je dise quoi d'autre? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait. Excusez-moi, c'est que voilà, en ce moment j'étais pas mal en déplacement. Là, je suis revenu au Maroc, comme vous pouvez le voir, et tada! On a une plante! On a une plante, les amis, je commence un décor. Mon père m'a proposé, il m'a dit: Eh hey frérot, t'es sûr, mec, tu veux pas que je te ramène une petite plante comme ça, tu la mets dans ton décor, tu l'as fait. Pourquoi pas, papa, ça peut être une bonne idée. Du coup, j'ai mis une petite plante juste ici, elle est hyper belle, je trouve. On va essayer de faire un bon petit truc. Je vais mettre ici une étagère, là. Ah oui, d'ailleurs, attends, ça se voit pas à la caméra. Est-ce que vous voyez ici? Je sais pas si ça se voit là. Là et là. Vous voyez les moments où je me prends des moins de sang? Bah, il se voit ici. Voilà, ça c'est le moment où je me prends des mots de sang. Ah là, je suis malade. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Fortnite, le mec. Aujourd'hui, on va discuter du chapitre 2 et de la prochaine saison qui arrive bientôt. Parce que je sais pas vous, mais moi, la saison 1 du chapitre 2, c'est la saison où j'ai le moins joué à Fortnite. Vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup joué à Fortnite durant la saison 1 du chapitre 2. Et du coup, aujourd'hui, on est le 17 février, ce qui veut dire que la saison 2 sort dans 3 jours. Le 20 février, si tout se passe bien. Je retire clairement ce que j'ai dit, Fortnite vient de tweeter à l'instant là. La saison 2 a été étendue jusqu'au 21 février. Est-ce que vous avez déjà fini le Battle Pass ou pas encore? Donc voilà, là on vient directement d'avoir cette information là. Bon c'est bon, pétez pas des câbles, c'est bon, c'était une petite blague. Ça date du 15 février 2018. Je voulais vous faire cette blague là parce que je me suis aussi fait baiser en fait. Donc je voulais aussi que vous fassiez baiser et j'espère que c'est réussi. Non, en vrai, revenons-en à nos moutons. La saison 1 du chapitre 2, c'était un désastre pour moi. J'ai pas du tout aimé. Y a pas eu beaucoup de compétition. La carte, c'était vraiment pas mon truc. Le design aussi, j'ai pas aimé. Bref, il y a vraiment pas beaucoup de choses que j'ai aimé sur sur ce chapitre 2, tout simplement. Y a pas eu de nouveautés aussi tout au long de la saison. Bref, tu vois, c'était pas ce à quoi Epic nous avait habitués. Et là, je me dis, si là, imaginez la saison 2, elle pue la merde. Imaginez juste, c'est fini, wesh. En vrai, c'est chaud d'avoir un retour là. C'est chaud de faire un comeback, hein. Si la saison 2 est nulle, c'est chaud pour Epic Games en vrai, hein. Parce que moi, je me demande le jeu, est-ce que je vais le continuer ou pas si après là c'est nul, hein. Si la saison 2, il n'y a pas vraiment un truc de ouf là, parce que j'ai vu, au départ, ils avaient mis une date, tu vois. Après, ils ont repoussé. Après, ils ont re-repoussé. J'ai fait, oh, si tu repousses autant une saison, ça veut dire que tu prépares un truc de ouf. Ça veut dire la prochaine saison, ça va être un truc de malade. Du coup, voilà, moi, je vais déjà vous dire ce que j'aimerais pour la saison 2, parce que je sais que vous aussi, vous avez des souhaits pour cette saison 2 de Fortnite, des souhaits qui, du coup, ne sont pas apparus dans cette saison 1 du chapitre 2. Dites-moi, vous, ce que vous aimeriez voir sur la saison 2 du chapitre 2, les mecs. Dans les commentaires, vous me dites vos souhaits. Vous me dites si vous voulez le retour du hoverboard, si vous me dites si vous voulez, je sais pas, moi, une motocross sur Fortnite. Bref, tout ce que tu veux, frère, tu me le dis en commentaire. Et on va voir un petit peu ce que vous cherchez à avoir. Moi, personnellement, ce que je veux, c'est déjà le retour de compétition, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de compétition là, en ce moment. J'espère qu'ils vont annoncer des événements. J'espère qu'ils vont annoncer un truc comme, je sais pas, moi, la World Cup 2020, ou bien des trucs en trio, bref, un truc, tu vois, sur lequel on peut s'amuser en compétitif. Des nouveautés, surtout! Des nouvelles armes! Des nouveaux objets, genre, je sais pas, moi, genre, tu sais, des trucs comme le piège, le tremplin, tu vois, ce genre de choses-là. Des nouveaux trucs, tu vois. Mais surtout des nouvelles armes, surtout des nouvelles armes. Et qu'ils enlèvent cette FAMAS de merde que j'ai 4 fois sur 5 en jeu. Je vous jure, j'ouvre 4 coffres sur 5, j'ai que des FAMAS vertes, ça me fout la haine. C'est insupportable. L'arme, elle est nulle. Elle est moche. Elle fait pas de dégâts. Elle a aucun point fort. Bon, là, j'ai déversé ma haine sur la FAMAS, mais. Elle est sympa. Bon, sinon, je vous ai aussi demandé sur Twitter ce que vous vouliez. Donc, pour la saison 2 du chapitre 2, tout simplement. Il y a déjà Alec Rolt qui nous dit une bombe nucléaire ultra puissante qui détruit tous les joueurs sur la map sauf moi. Alors, ça, je trouve ça assez égoïste. Je trouve ça assez égoïste de ta part, Alec Rolt. Parce que du coup, tu pourrais faire top 1 assez facilement. Et bah, ça, c'est un glitch. Ça, c'est un glitch. Et bon, à moins que ce soit plus que légendaire, genre une rareté encore plus que légendaire, ça serait cool ça en vrai. T'imagines une rareté encore plus que légendaire, genre méga légendaire. Ou bien ultra méga légendaire. Pas mal. Genre ça serait une arme de quelle couleur? Ce serait une arme. Une arme rouge. Y a pas d'arme rouge sur Fortnite. Attends.
Fortnite, arme rouge. Non, y a pas d'arme rouge, hein. Ouais, une arme rouge. Genre, ce serait une arme méga épique, genre. Truc de ouf. Tilted Tower. Tu sais, mec, ça me manque tellement. Oh, mec, l'époque où j'allais, comment ça s'appelle, à côté de l'horloge pour faire des build fights, là, dans mes vidéos. Mais t'es meilleur que tout à l'heure. Quoi? T'es meilleur que tout à l'heure. Non. Ah bah ouais. Tous ceux qui étaient là pendant le chapitre 1, au début, les premières saisons, ils savaient qu'on allait à côté de l'horloge de Tilted Tower, on ramenait tout le shield. C'est-à-dire qu'on avait de quoi absolument donner à boire pour tout un pays. On ramenait tout le shield, les grosses popos, les splash, les slurps, les mini-pots, tout, on ramenait tout. Et on faisait des grosses rampes en blue fat comme ça, ça montait comme ça. Fiu. Merde, tu tombais. Et ça faisait des gros build fight de ouf, c'était un truc de malade. Bref, moi je kiffais cette époque là. Et ouais, j'aimerais bien en vrai qu'ils remettent Tilted. Mais en ça, j'en doute. Je doute qu'ils le remettent. Y'a Suwen qui nous dit des licornes pour me déplacer plus vite avec deux réacteurs canons pour tuer les gens. Sinon, c'est pas assez fort. Attends, des réacteurs pour aller plus vite et pour tuer les gens. Tu veux quoi? Tu veux une femme de ménage aussi? Qu'est-ce que tu veux? Non, pas mal. C'est vrai qu'ils ont pas mis d'animaux. Attends, ils ont mis des animaux ou pas? Non, ils ont jamais mis d'animaux. D'animaux que tu peux, genre... je sais pas, je vais dire un exemple de merde, tu vois, mais genre des taureaux ou quoi, des chevaux. Putain, le taureau, c'était le pire exemple. Taureau, c'était le pire exemple à prendre, la vie de... Tu pouvais dire quoi? Tu pouvais dire un cheval, tu pouvais dire un âne, tu pouvais dire n'importe quel animal, j'ai dit taureau. Des armes, voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il faudrait, qu'ils mettent de quoi se battre, quoi, ce serait cool. Oh, JL que du MS. MRC, qui nous dit, pompe de guerre. Enlever le snipe et roquette, vert, remettre le pad dans cup, annonce d'une mort. Il nous a fait une liste de courses, oh, détruit ta race. Il nous a fait une liste de courses, le frérot là. Il a cru qu'il était au carrefour. Qui était du niveau. Bah, super drôle ça. Il est déjà bien meilleur que toi, voilà. T'as raison. Je fave ton commentaire. Xilia aussi qui nous dit un event comme celui de Marshmello. C'est vrai qu'on en a pas eu depuis longtemps. Des events, des animations, c'est vrai qu'on en a pas eu depuis extrêmement longtemps. On parle, mais c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de choses. Genre, l'event de Marshmello était ouf en vrai. Pour moi, c'était le meilleur event de tout Fortnite hein, qu'ils ont jamais fait. De mon avis, hein. Mon avis, moi, ce que je pense, c'est que c'était le meilleur event. Grenade à onde de choc, putain, c'est vrai. En vrai, ils ont tellement enlevé de choses qui étaient hyper cool. Je veux avoir les bulles, c'est le seul truc que je pouvais aimer sur le jeu, trop fun. Ouais, bon, toi, t'es bizarre. Je voudrais avoir un max de shield. Et y'a un mec qui répond, pour ça, il faut avoir le code UMS. Eh, merci, voilà les mecs. Code UMS dans la boutique. Mais oui. Mais attendez. Attendez, parce qu'en fait là on vient de tout dire. Mais on a oublié le truc le plus important, je pense. En vrai, je pense qu'on a oublié le truc le plus important. Hein. Regardez loin, les mecs. Zoom sur moi. Non, encore un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, c'est bon. Voilà. Et ouais, les mecs, faut voir assez loin. C'est le meilleur truc, le mode sensu, ça fait 40 000 ans. Ils l'ont enlevé, ça fait 40 000 ans qu'on le veut. Sérieux, pourquoi? Pourquoi? Ah oui, aussi, il y a eu quoi? Ah, ça, je vous ai pas montré. Mais important pour ceux qui ont pas Twitter, important. Fortnite a changé leur logo. Ainsi que leur bannière sur Twitter. Voilà, donc pour ceux qui sont pas sur Twitter, d'ailleurs, allez me suivre, il est en description, le mien. Ils ont changé leur logo ainsi que leur bannière pour un truc en or. Donc, je sais pas, c'est peut-être le premier teaser de la saison 2, du chapitre 2. Bah, de toute façon, en vrai, ce serait logique. Mais par contre, pourquoi est-ce que c'est en or? Je sais pas du tout. Mais en vrai, juste quelque chose de nouveau. Juste quelque chose de nouveau, tu vois. Déjà, un nouveau design serait cool. Moi, j'aime pas le design, j'aime pas la barre d'HP en bas à gauche. La barre de shield en bas à gauche, ça me frustre, j'aime pas. Genre, je sais pas, j'aime pas comment elle est, je sais pas, j'aime pas, je sais pas comment dire, mais ce n'est pas à mon goût. Oh. Les couleurs aussi du jeu, elles me semblent un peu trop, je sais pas, ça me semble pas aussi vivant qu'avant, tu vois. Avant, le jeu, il était vraiment cool à regarder, tu vois, genre t'aimais bien jouer au jeu parce que c'était beau. Je sais pas, maintenant, les couleurs, on dirait, sont devenues fades. Je sais pas, le vert, on dirait, il est devenu vert, vert kaki, vert caca un peu, je sais pas comment dire, mais bref. Tu vois, je ressens plus cette envie de jouer parce que le jeu est beau. Alors qu'avant, tu vois, j'avais grave envie de jouer, tu vois, je récoltais une scar en or, j'étais trop content, tu vois. Le shield et tout, c'était beau. Maintenant, je sais pas, on dirait que c'est devenu moche. Je sais pas si c'est que moi, mais je crois que c'est que moi, hein. Mais je sais pas s'il y a des gens qui pensent aussi ça. Ça se trouve, je suis débile. Ça se trouve, je suis juste... ça se trouve, j'ai un problème aux yeux. En vrai. En vrai, c'est possible. Bon, bah je pense que c'est à peu près tout. Hein. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Fortnite, j'espère vraiment, vraiment, vraiment. Parce que sinon, je vais me pendre. Mais voilà les potes, j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que ça vous a motivé pour reprendre Fortnite si vous avez arrêté, si vous avez du moins fait une petite pause. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont fait de pause de Fortnite, notamment moi, j'ai beaucoup moins joué cette saison-là. Mais j'espère que je vais avoir la motivation pour jouer. En tout cas,
J'espère que Fortnite va pas nous décevoir. On se dit à la prochaine. Mettez le code UMS dans la boutique d'objets pour avoir un maximum de shit, bien évidemment. Pour ce faire, vous allez dans la boutique d'objets soutenir un créateur. Vous mettez le code UMS en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Et puis après, vous cliquez sur accepter. Vous regardez en droit, si il y a un créateur sur du UMS, ça veut dire que c'est bon. Ciao les gens, c'était UMS. Peace!